Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui livraison d'une précommande qui vient juste d'arriver donc chez nos amis de la FNAC comme d'habitude. Donc le colis est un petit peu ouvert là, j'espère que rien... Non, ça, il n'y a pas eu assez d'espace. Alors voyons. Alors ça y est, c'est ouvert, voyons, et est-ce que c'est ce que je pense? Eh oui, c'est bien ce que je pensais. Donc le titre de la vidéo est correct, c'est le Titans of Cult de Casino Royale. Qui donc sort aujourd'hui. Voilà, je l'ai reçu aujourd'hui à la bonne date. Donc on va publier ça tout de suite et on va ouvrir, voir ce que ça donne. Hop. Alors déjà, je sais pas si ça se voit sur l'image, mais le plastique là transparent est très 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 marqué. Ouais, je sais pas ce que il a beaucoup frotté. Alors voilà, qu'est-ce que nous avons? Bon, normal, hein. Titan of Cold, ce coffret de deux disques de inclus Casino Royale en 4K et en Blu-ray, boîtier Steelbook Collector, pin unique et mini poster exclusif. Bon, du Titan of Cold, comme d'hab. On va ouvrir et voir ce que ça donne. Ce plastique de merde hein, qui fait très très cheap, mais bon. Pour ceux qui aiment les films qu'ils font, c'est sympathique d'avoir ce petit coffret. C'est toujours mieux que le steelbook tout seul. Hein. Après, comme d'habitude, c'est chacun son goût. Alors, on va regarder le style après. On va commencer à regarder juste le petit. Alors, cette fois, bien, ils ont mis le petit pin dessus le plastique. Comme ça, ça ne frotte pas sur le steelbook. Bravo. Et donc, moi, fan de poker, hein, évidemment, hein, vous connaissez, hein, c'est mon boulot, tout ça. Le petit pin spécial Casino Royale Monte... Ah non, c'est pas Monte Carlo. D'habitude, il y a Monte Carlo. Il ressemble beaucoup à des jetons poker assez connus qui s'appellent Monte Carlo. Donc le petit pins en mode, il y a écrit Casino Royale derrière, et après il y a du tech Casino Royale 007, blablabla. Voilà, c'est un pins en mode jeton de poker, je trouve ça cool. Alors le steelbook, il est pas top en fait. Hein. Moi je trouve pas ça génial. Franchement, ouais. Bon, non, il y a le oui, non, mais en fait j'essaye de trouver un truc qui me plaît, mais en fait pas du tout. Il n'y a même pas de continuité avec la tranche. Il est, ouais, franchement, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, mat, hein, très mat, enfin, très mat, mat tout court, parce qu'il n'y a pas de trait ou pas trait. Le petit texte là qui fait un peu chier, mais bon, on n'est plus là. Et puis voilà, bon, ben, on va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne ouvert. Donc, dedans, il y a le petit poster qu'on regardera juste après. Voilà, ouvert. Ben, franchement, pas top du tout. Hein. Ouais. Déçu. À l'intérieur, on a donc le 4K ici. C'est dommage parce que le disque est joli, tout noir avec le 07 en rouge. Le 007, le Blu-ray. Et donc, artwork interne, très minimaliste. Juste le gros 007 là en bas. Franchement, bof. Hein. Ils se sont pas cassés la tête, hein, nos amis de chez Titan of Cult. Alors, on va regarder le poster. Alors, voyons ce petit poster. Et voilà. Ahum. Ouais. Bah le poster aussi est dégueulasse. Bah grosso modo, ils ont fait une édition de merde. Voilà. On peut le dire. Celui-là, il est vraiment nul en fait. Enfin, j'aime pas. Hein. Après, c'est moi. Hein. C'est chacun son goût. Hein. Peut-être que vous, ça vous plaît. En tout cas, maintenant, vous savez. Hein. Vous avez vu. Vous pouvez dire si vous aimez ou pas. Mais bon, vous l'avez compris, moi, pas du tout. Et bien voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous présenter le Titan of Cult de Casino Royale. Comme vous l'avez entendu, grosse déception. Hein. Le seul truc que j'aime bien, c'est le petit pins là en mode jeton. Je trouve ça cool, même si évidemment je l'aurais jamais porté aussi. Hein. Qui porte des pins de nos jours? Franchement, grosse déception. Même le poster est moche. Franchement, enfin, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le style. Franchement, je le trouve vraiment moche en fait. Pourtant, moi, je suis dans le poker, hein, donc les trèfles, piques, carreaux, machin, tout ça, ça devrait m'inspirer. Là, pas du tout. Franchement, c'est bien dégueulasse. Et donc, on va revendre ça tout de suite. Et bien voilà, c'était la présentation du Casino Royale Titan of Cult. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Tchou !